ceci, cela peut être réciproque. Mais qu'est-ce que tu me manques ? En voulant venir vers toi, après cette dramatique dispute, je n'entrevois que de l'obscurité. Là où je pensais voir de la lumière, et ton doux sourire. Je suis perdu dans les méandres de mes angoisses. Enfermé dans cette solitude, j'ai peur. Peur de ne plus pouvoir te revoir. Peur d'avoir tout gâché. La ville n'avait plus le même sens pour moi. Ses odeurs, ses sons, tout me semblait différent. Le regard vide du passant accentuait ma détresse et me plongeait un peu plus dans mon malaise. Tout prit forme ce soir-là, lors de cette terrible nuit, au bord du gouffre. Victime d'images violentes et d'hallucinations dévastatrices, je me frayais un chemin vers l'inconnu et la folie. Le cauchemar avait commencé cette nuit-là. La scolopendre en moi, je ne pouvais plus m'échapper. Elle grignota mon corps, tandis que mon esprit se diluait dans la folie. J'étais doté d'un nouveau pouvoir. Pas de culpabilité. Pas de remords. Pas d'hésitation. Une folie meurtrière qui n'apporte que bonheur et extase. J'ai essayé de m'arrêter, de rompre le plaisir. Mais ce fut très difficile. Comme une drogue, la victime m'attirait. Je ne pouvais plus me contrôler. Alors j'ai trouvé une solution pour stopper tout ça, et enfin te retrouver. Je ne t'ai pas vu. Je me suis tué et tu n'étais pas là. J'ai erré encore dans cet appartement. Loin de toi. Mais trop proche de moi. Je me suis retrouvé. Et même si aujourd'hui tu me manques, sache que j'ai décidé de recommencer. Car malgré ma mort charnelle, je sais à présent qu'il ne me reste plus que ce plaisir à satisfaire.